Hey, salut tout le monde! Après de nombreuses demandes de votre part, j'ai décidé de retourner sur ce jeu de l'enfer qui n'est d'autre que... Non, et puis je dois vous avouer qu'il me manque un peu aussi ce jeu. J'ai passé d'excellents moments dessus avec mes potes. Oh la vache! Il est temps de le dépoussiérer un peu et de voir ce qu'il y a de nouveau. Je me fais un café. Merde, j'en ai pas assez. Me fais un thé. J'allume mon PC et je lance Fortnite. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas lancé ce jeu. J'ai 5 foutus écrans de chargement. Bon, ça va aller, oui? Ah, voilà la cinématique. Je vais vous la faire courte parce que là, c'est assez what the fuck. Cette saison, c'est un feat avec Metallica, avec des circuits de voitures, des failles temporelles en forme d'éclair de la lettre M de Metallica, qui font un concert, tout ça sur une île, et ça fait tout de suite vroom vroom, et tu peux boire du cola dans une armure de Fallout. Attends une minute. Oh, c'est moi! Et il y a aussi un grand méchant qui est un mélange de Paul dans Tekken et Terminator. Ah, et il se croit aussi dans Mad Max. Mais pas de panique, car tu peux te déplacer sur des cailloux en lévitation en faisant de la guitare. Et il y a Magneto. Camoulox! Bref, je lance le jeu. J'ai trop hâte. Bon, pour le coup, je découvre vraiment la map. C'est la première fois que j'y fous les pieds. Bon allez, let's go. Je vais me diriger vers cette zone avec ces fleuves verts pollués. Un peu comme la Seine à Paris, hein. J'atterris tranquillement et je garde mes vieux réflexes. Je récupère mon premier coffre et... Ça y est, ça commence déjà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aspergeur de nitro? Ça te fait quoi ça encore? Ça te met le feu au cul? Bon, je verrai ça plus tard. J'ai 2 insectes à pulvériser là. Hé les bijoux, attendez-moi, j'arrive! Tu t'es déjà pris une tisane au petit calibre? Tiens, ça m'avait manqué ça. Je vais me mettre full histoire de ne pas me faire avoir comme un Bambi. Et on va essayer cet aspergeur de nitro, tiens. Wow, ça met pas le feu au cul? Dommage. Mais c'est sacrément efficace. Bon, t'es où, Philippe? Oh, à tous les coups, il s'est barré le gigolo. Je poursuis donc un petit peu mon exploration. Puis tombe sur cette espèce de trappe bizarre. Le problème, c'est que je n'arrivais vraiment pas à y rentrer. Ah non, il veut pas, hein. Bon, bah tant pis, hein, je vais pas y passer la nuit, hein. Un peu plus loin, je fis face à ce fameux fleuve vert pollué qui m'intriguait. Allez, je vais faire une Hidalgo. Et vive les JO! Wow, regardez, c'est vraiment comme dans la Seine de Paris. Il y a même des petites têtes de mort pour dire que t'as merdé. Bon, je sais pas à quoi ça sert ces machins, mais de toute façon ils sont là. Oh bordel, ça y est, il se passe quelque chose. Un petit coup de Sprite et j'arrive. Ah, un futur nageur olympique. Tiens, voilà ta médaille. Attendez, je crois qu'il a dit quelque chose. Ta mère. Ah mais il a raison le bougre. En plus de vous inciter à pulvériser les pouces bleus, il vous informe qu'il n'existe qu'un seul vrai bon code créateur. Et c'est le mien. Et Falmo. Attendez, je vous le mets en gros. Voilà, du coup, on continue notre petit chemin, hein. Le but est quand même d'essayer de trouver les meilleures armes. Un viseur, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Il y a des pas juste en dessous de moi. T'es où que je te pourrisse ta game? Eh ben, te voilà, mon mignon. Oh, c'est quoi cette arme de mort qui tire par un coup, là? On va rester sur une valeur sûre. Il est reparti se faire des pattes, le coco. Bon, je vire cette saloperie pour un autre fusil à lunettes. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça n'a pas l'air d'être la folie non plus, cette arme. Tiens, un gros pigeon. Il se fait pigeonner. Il y a un coffre juste ici. Quoi? Et qu'est-ce qui vient de se passer là? Bon, je verrai ça plus tard. Ça fait 3 minutes que je tourne en rond. Ça m'ennuie là. De... What? Je viens de faire un TP là? Je suis pas fou. Ah, je viens de seulement de comprendre que ça venait des têtes de mort. Logique. Plus loin, je trouve une sorte de lumière en direction du ciel et qui fait un boucan pas possible. C'est la cage que j'ai vue un peu plus tôt qui finit par s'ouvrir. Des coffres bleus, il doit sûrement y avoir des trucs hyper intéressants. Un peu de épique, c'est toujours mieux que rien. Ils auraient pu me donner au moins un légendaire. Plus tard, il y avait cette espèce d'anneau sur la route, on dirait un truc de Stargate. Voyons voir ce qui... Oula! C'est dangereux ce truc là! Je me rends compte que je l'ai pris dans le mauvais sens, la zone se referme! Allez, c'est parti! Ah, il y a un peu d'activité dans cette direction. Le voilà. Hé, hey, c'est plein de nageurs dans le coin. Ah, je vois qu'ils ont gardé la fameuse île qui apparaissait en milieu de partie. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, je verrai ça plus tard. Hein. Je suis sur une trop bonne lancée là. Et je sens que je vais faire un carnage. Par le pouvoir de la Seine! Ah, j'ai tout mis à côté, putain! Sur un chargeur complet, j'ai mis 2 balles! Bon, je pense que la prochaine sera meilleure. Incroyable! On va essayer l'arbalète. Quoi? C'est moi qui lui ai fait tous les dégâts! Rends-moi mon kill, bordel! Ça se frite juste en bas.
Je vais tellement me les faire. J'ai la supériorité visuelle. Je suis en hauteur, je suis full shield, je jump, ils s'y attendront pas. Et je les fume. C'est parti. On dit jamais 203, hein? Je vais attendre devant cette porte, il va bien finir par sortir. Il est sorti. Un peu après, je tombe sur cette espèce de grosse bouteille. À mon avis, c'est pour le shield. Oh, wow! J'ai déjà vu des films qui se terminaient comme ça aussi. On reprend l'éradication de la vermine. Voilà, et t'enfuis pas, petit! Et voilà la petite sœur. Un canon à crochet? Je me méfie toujours des armes dans Fortnite. Des fois, tu tombes sur des trucs soit complètement cheatés, soit complètement inutiles. On va l'essayer sur ce campeur, là, tiens. Mais c'est nul! Non, mais c'est vraiment nul, ça grippe même pas le gars! Et puis, il se barre! Non, non, mais attends, reviens! Oula! Qu'est-ce que... Bon, j'ai pas encore tout compris, mais on va essayer de s'en foutre, hein. Mais est-ce qu'au moins ça grippe l'environnement, ce truc? Même pas, mais je comprends pas. Je vous jure que je comprends pas, putain! Un harpon avec une corde de boue propulsée au gaz qui harponne pas! On dirait que le jeu essaye de mettre un doigt dans le fion de la logique! Mais regardez, c'est pas moi qui sais pas viser là! Et lui il a un truc qui retire les trois quarts de ma vie! Mais putain! Des gantelets nitro? Mais va te faire f... Jamais 304! Bon, je pense qu'on va essayer un autre jeu juste histoire de se de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aquarium, petit con? Mais il n'y a pas de dauphin là? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un Dumbledore qui donne des liasses de billets là? Bon, je me casse. Mais avant, je dégomme l'autre en face. Juste pour être sûr. J'ai jamais été aussi paumé de ma vie dans un jeu. Je vais essayer autre chose pour me détendre. Non! Voilà! Ah, mais pourquoi je refais un jump? Mais. Non! Ah, ça y est, non! Je sais qu'il y a un chemin plus simple, mais j'ai décidé que ce serait par là que je passerais! Ça fait 5 minutes que je suis bloqué sur ces foutues caisses en bois! Mais c'est pas vrai! Oh bordel, ça y est! A few moments later. Ah, mais la suite en fait est vraiment plus simple! On peut même le faire en courant! Vous êtes-vous amusé lors de votre dernière partie? Non! Rocket Racing, ça a l'air pas mal ce truc-là. 8ème place! Ouais, mais je peux expliquer aussi. Les touches étaient en QWERTY, du coup, c'était pas évident au début. Oh, mais c'est pas vrai! Pourquoi ça avance pas? Oh, et puis merde, hein, je vois pas pourquoi je vous cherche des excuses. Hein. Résumé de la première course. V'là maintenant qu'elle vole! J'ai trouvé le bouton pour avancer, mais je peux toujours pas tourner. Du coup, je fais comme je peux. Hein. Peut-être qu'avec cette touche... Ah, je vais cramer, là! Résumé de la deuxième course, avec manette. Bon, cette fois on joue dans la même catégorie. Je dois avoir accumulé plus de 500 heures de jeu sur Need for Speed. Si je prends en compte le Most Wanted et le Underground, vous pouvez pas tester les gars. Des gros trucs orange? Ça doit être un buff de vitesse? Ah la vache! J'ai perdu 150 km/h. C'est peut-être plus le petit truc vert en fait. Bah oui connard. Attends, y'a plus de route là. Ah non mais bordel! Ça ressemble à rien là. Ah non, mais je... Bon, là il suffit juste de récupérer la gogue. Pas par là! C'est ridicule! Mais quoi? Pourquoi j'y arrive pas? Je suis vraiment obligé de faire ça! Dernier tour. Allez hop! Oh non, te tue! Oula! Panique pas! C'est bon. Oh non, j'ai loupé l'axe! Mais je vais où? Je vais où? Je vais où? Je vais où? V'là que je suis à l'envers maintenant. Allez, c'est la bonne lancée! Ah merde! Non! Mais va pas de l'autre côté! Oh, c'est quoi ce bordel? Ah! Attends, je viens de remarquer un truc là. Il y avait du speed nitro depuis le début. Je l'ai pas vu! 8ème place! Oh, je retourne sur le BR! Oh, je pouvais pas rester sur cette dernière défaite. Où est-ce que je vais aller cette fois? Tiens, j'ai pas encore essayé la zone enneigée. Il y a un petit cabanon juste à côté. Il y a peut-être un truc à looter. Pourquoi la porte est ouverte? Et pourquoi les munes sont prises? Mais à quel moment un type passe avant moi sur le seul cabanon en haut d'une montagne de neige? Ah, ça va me saouler. Et j'ai que 3 balles. Ah, ça y est, ça me saoule. Bon, bon, on va essayer de relativiser et de ne pas aller dans le même sens que l'autre joueur. Car si là je le rencontre, je suis dead. Une station d'hélicoptère? Ça n'a pas l'air d'avoir été looté. Yes, un coffre. Est-ce que c'est trop demandé d'avoir du shield, s'il vous plaît? Bon, on va aller voir dans le bat à côté. Il y en aura forcément. J'en trouve pas! Non, mais attends.
Ils sont sérieux, là? Mais j'en ai rien à foutre de ta bouteille de cola! Donne-moi du sudan! Avec la super chance que j'ai dans cette game, à tous les coups... Oh bah ça alors, pas de shield! Parce que ça a été loot! Eh ben j'ai pas le choix! Je vais être obligé de fumer d'autres joueurs pour récupérer leurs boucliers! Parce que je trouve rien après 5 minutes de jeu! Crève! Toi aussi! Non mais c'est fou ça! Allez, un coup de nitro et j'y vais! Voyons voir ce qu'il y a ici. Un fusil d'assaut exécuteur? Ça vaut le coup ce truc là? Oula! C'est quoi cette saloperie? Rends-moi mon fusil à pompe! Du shield. C'est marrant, dans cette scène, j'ai vraiment l'impression que le jeu me fait un gros doigt prostatique. Bon, maintenant, faut trouver des ennemis. Tiens, des véhicules. Ça doit être des PNJ, vu qu'ils me foncent pas dessus. Wesh, il m'a fait peur, celui-là. Ça va pas, non? Attends, c'est quoi, ce truc? Une guitare? Mais qu'est-ce que c'est que ça, encore? Ok, et je fais quoi avec ça? Wow! Mais de... Ah mais il m'a fait atterrir au milieu d'un fight, le bougre. Eh ben, mot à la frite. Heureusement que tu savais pas viser, hein. Merde, j'ai oublié un truc essentiel. Oula, si je meurs maintenant, c'est la honte. Allez, ciao. Je suis sûr, il a cru que j'étais parti à l'autre bout de la map. Re. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Je le sens trop bien, là, le top 1. C'est vraiment cool pour se déplacer, ce truc-là. C'est là que je vois un immense M au-dessus du lac. Je me demande si c'est là qu'apparaîtra l'île. Attends, je rêve ou l'autre il a essayé de m'allumer avec sa voiture? Bouge pas mon pote, je vais te jouer une petite mélodie moi. Et... damn! Ah bah non, il s'enfuit! Ah, il est revenu. Il se rapproche vraiment de la station service, l'idiot là. Hé, cramé! J'aime l'odeur des Timéo cramés au petit matin. Allez, on va voir ce qu'il se passe ailleurs. Tiens, un autre amateur de barbecue on dirait. Oh bah non, te barre pas. En voilà un autre, tiens. On est d'accord que je ressemble vraiment à rien quand je fais ça, hein. Il y a l'air d'avoir du mouvement dans cette direction. Hé, hey, je vais faire l'effet de surprise. À moi le topin. Salut mes mignons. Oh putain, ils sont trois plus une tourelle. Non. Mon topin. Je vais péter un plomb. Bon, il suffit juste de ne pas trop... Non. Hé hey, mon petit pote, oublie pas de défoncer les petits pouces bleus, hein, et de me dire si t'as kiffé la vidéo. En attendant, la prochaine, elle sera sûre.